Alors, prénom d'origine germanique commençant par F. Frédéric. Frédéric. Président de la République élu en 1981. Facile, Mitterrand. Pays de l'Asie très touristique commençant par TH. La Thaïlande. Adaptation de la célèbre bande dessinée de Goscinny relatant la vie d'un jeune étudiant. Collégien, pardon. Ah ! Le petit Nicolas. Ah, d'accord. Eh bien, oui, c'est ça, ça colle. Frédéric, Mitterrand, Thaïlande et le gamin. Impeccable. T'es fort à ce truc, hein ? Facile. Ah, dis donc, Tony, t'as vu ? Berlusconi perd son immunité, dis donc. Oh merde, ça fait mal, ça. C'est un petit peu quelqu'un de la famille. Ah, un peu un cousin éloigné, ouais. Bah oui, quelque part. Mais pourquoi il nie ? Qui ? Berlusconi. Mais il nie pas ! Bah si, tu me dis qu'il nie. Berlusconi. Mais non, mais si Berlusconi... Dans ce cas-là, ce serait Berlusconi, nie. Ah, ah d'accord, c'est un peu comme Mussolini. Mussolini quoi ? Bah, Mussolini. Mais Mussolini n'a jamais nié. Mais si, c'est un petit peu la règle, tout ça en Italie, là, le merta, on se tait, on dit rien, on nie. T'es que t'es con, toi, hein. Puis en plus, j'ai faim, moi. Tu veux que j'aille te chercher un panini? Oh putain, Raoul! Va pas me croire. Qu'est-ce qu'il y a? Sylvestre Stallone. Il est pas italien. Ah bon, comment? Il est d'origine brestoise. Stallone breton? C'est marqué là. Oh. Adrien Quenavo. Je vais vous faire une putain de bataille navale. Il va y avoir du cidre et des crêpes de partout. Ça va être horrible. Putain, ça casse le mythe, hein. T'imagines? Non. Moi non plus. Dis donc, Tony, t'as vu cette histoire de délation ? Quelle histoire ? Bah, c'est un banquier qui a dénoncé un sans-papier. Il l'a retenu au guichet, il a appelé les poulets, ils sont venus le cueillir. Oh putain, c'est pire que la Gestapo, dis donc. Ah bah c'est la France, hein. Mais de toute façon, je l'ai toujours dit, avec les banquiers, il faut toujours avoir les bons papiers. C'est-à-dire ? Ben, cela. Tiens, ça c'est ta part. Merci. Tu n'oublieras pas de les déposer à la banque. Ils sont cons, ces sans-papiers.